Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un cut cuisse très facile chez vous, toute seule à la maison. Qu'est-ce qu'un cut cuisse pour ceux qui ne savent pas? C'est une technique de make-up en 3D qui permet de réaliser un espèce de relief contraste sur la paupière mobile. On crée une espèce de frontière, comme vous voyez là, entre deux tons de couleurs bien différents, bien distincts. Faut utiliser sur le dessus de la paupière mobile, donc la partie supérieure, une couleur plus foncée que sur la partie inférieure. C'est comme ça que l'on crée le cut cuisse. Voilà, c'est très facile à réaliser, je vais vous le montrer en plusieurs étapes. Avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner car ça fait plaisir et c'est gratuit. Vous êtes prêts à voir comment je le réalise? Go! On commence par appliquer une base à paupières. Pour ma part, ça sera la Paint Pot, la Soft Ocre de chez MAC. La base à paupières, c'est très important car elle va permettre de fixer le make-up afin qu'il ne parte pas dans les ridules. Après avoir appliqué ma base à paupières, je viens utiliser ma palette Naked, la Honey. Et de cette palette, je vais utiliser cette teinte-là. C'est la teinte la plus claire. J'aime bien en fait uniformiser, matifier ma base à paupières avec un ton plus clair sur toute la paupière. Je trouve que le rendu est beaucoup plus joli après pour appliquer mes fards à paupières. Ensuite, je viens utiliser la teinte Eve pour la déposer à ce niveau-là, au-dessus de mon creux de paupière. Une fois qu'on a posé notre fard à paupières, on passe à l'étape suivante. Bien évidemment, on peut vraiment, c'est modulable. Si maintenant certaines pensent qu'il y en a trop, eh ben, elles appliquent le produit comme elles le souhaitent. Si on a, elles pensent que c'est peu, on peut repartir avec le pinceau et puis refaire une couche. Ce n'est pas un problème. Maintenant, sur mon creux de paupière, je vais venir appliquer une couleur foncée, la Sting. Voilà, je vais prendre cette espèce de marron chaud et c'est celui-là qui va permettre en fait de créer cette frontière, le cut, de couper ma paupière en deux. Voilà, cette étape est finie, je trouve que c'est très joli, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le fard de transition avec le marron foncé se marie très bien, c'est très joli. Maintenant, c'est là qu'intervient la partie un peu, je dirais, difficile du cut cuisse, mais je vous rassure, suivez les étapes et vous allez réaliser un cut cuisse comme une professionnelle chez vous. Je reprends ma base à paupières, la Paint Pot, car j'en ai besoin pour la réalisation. Après, vous pouvez trouver d'autres bases à paupières, c'est pas un souci, c'est selon les goûts. Travaillez avec la base à paupières avec laquelle vous êtes à l'aise. Il y a la base à paupières NYX aussi qui est très bien pour les cut cuisse. Et j'aurai besoin d'un pinceau de la sorte qui soit fin et précis pour réaliser le travail. Moi ici j'utilise celui de la palette Honey. Je prends du produit et je l'applique sur la partie où il n'y a pas d'ombre à paupières. En fait je vais essayer de former une demi-lune. Il faut être précis. La demi-lune, vraiment, il ne faut pas qu'elle déborde sur le creux de paupière. On essaye vraiment de le faire juste en dessous du creux de paupière. On n'hésite pas à reprendre du produit. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est former une espèce de virgule vers le coin externe de l'œil, comme ceci. Voilà, l'étape la plus difficile entre guillemets du cut crease vient d'être réalisée. Vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Et là, on a l'effet œil coupé. Et puis, donc sur cette partie, on va venir appliquer une teinte plus claire pour vraiment donner cet effet 3D. Il faut contraster la couleur foncée avec une couleur plus claire. Et voilà, c'est ce qui nous donne de jolis cut crease. Après, celles qui aiment les couleurs, ce qui est génial avec les cut crease,
C'est par exemple si vous mettez en phare de transition un bleu et vous le cutez avec un orange par exemple, waouh, là c'est vraiment très voyant, très flashy. C'est vraiment le genre de make-up artiste, tout ça que j'aime beaucoup et on peut s'éclater à le faire si on a une soirée ou autre. Franchement, c'est super génial. Sur ma base à paupières, je vais appliquer cette couleur, la Swarm. On applique la poudre vraiment sur toute la base à paupières que l'on a mis. La petite virgule que j'ai créée au coin externe, c'est vraiment pour venir appliquer également de la matière. Vous voyez, c'est très joli. Ah, mon cut crease est réalisé, mais je ne m'arrête pas là. Je vais un peu lui donner du peps, de la lumière. Et pour ça, je vais venir mélanger la couleur golden et la honey ensemble. Voilà. Donc je prends un petit chouïa de celle-ci et de la honey et je viens la déposer sur la couleur swarm. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, je trouve ce cut crease vraiment très joli. Je vais faire l'autre œil et je reviens. Après avoir appliqué l'eyeliner, je viens appliquer la base à cils de chez Yves Saint Laurent. Je la trouve géniale. Je l'ai utilisée dans une de mes précédentes vidéos, les mascaras color Yves Saint Laurent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien là-dessus. Vraiment, il est génial. Vous avez vu comment c'est un truc de malade, comment il fournit les cils, tout ça. Je trouve cette base exceptionnelle. Après, on vient appliquer juste son mascara. Là, je vais utiliser le Pop and Volume de chez Dior, un des meilleurs mascaras du monde. Vraiment, moi, je porte une importance folle au mascara. J'aime trop ça. C'est la base d'un très beau regard parce qu'on a beau avoir le plus beau des fards à paupières, si on n'a pas de mascara qui est génial, franchement le make-up pour moi il est fait à demi. Et là vous voyez tout, wow, on n'est plus sur la même vidéo. En fait, lors du montage de la vidéo, j'ai réalisé que cette partie a été coupée, mon appareil s'est arrêté de fonctionner, je ne sais pour quelle raison, il s'est dit hop stop, on arrête au mascara. Donc après avoir mis le mascara, j'étais passée au make-up des lèvres. J'ai utilisé le crayon à lèvres de chez Yves Saint Laurent, un marron avec lequel j'ai mis un nude, le Kiss Kiss de chez Guerlain. Voilà, j'espère que le make-up tutoriel cut crease vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.